Ah, voilà, t'as plaisir. Now I have to behave myself. Wait, wait. Parce qu'il sait déjà que nous sommes là. Ah, ça y est, c'est déjà commencé en fait. Bonjour YouTube. Bonjour. Hello everybody. Hi community. Welcome to my little channel. And today I've got a visitor, another visitor. You might think, my God, Sugarlove is bringing all those young people. They are my friends. They are my support. They are everything for me. That's why I'm bringing them to have fun, to learn, to teach, to exchange knowledge. And that's why I've got Mike. Hi. Mike. Bienvenue, Mike. Merci. Merci d'être là. On a travaillé ensemble une fois. Avec oui, on a fait des photos en argentique qui peuvent qu'elles aillent se faire développer encore. Ouais. Mais... sont très bien. Oui, la pellicule est faite, la planche contact est faite, les premiers essais sont faits. Du coup, il reste juste à les développer en grand format. Mmh. Et ouais, ensuite, on pourra les exposer partout. J'ai hâte de voir. Parce que j'ai demandé à Mike, je dis, Mike, tu es venu ici une fois, mais... je ne me souviens pas de faire un maquillage. J'ai dit non, 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 je n'ai pas fait de maquillage. J'ai fait ton portrait, des portraits et tout. La transformation. Et voilà. So, he's a student, he does art, he makes photography. What more? Fashion. Oh, fashion. Mm, fashion student. Yep, and textile design. Texture design, okay. So, I'm not talking to just a young guy. It's an artist. That's why he's here. I'm trying. And Mike, tell me. So, when Mike arrived here, I told Mike, what, because he said, Sugar, I didn't bring anything. I said, no, but that's not the point, the problem. I said, what are we going to do? He said, oh, no, are you going to do my makeup? I said, no, no, no. What if we work together today? We create a look. We mm-hmm. create something together. And he said, oh, that's good. So I told him if he had some ideas and he proposed me this. Show, darling. So, tu peux parler un peu de l'artiste alors? Oui, on peut parler un peu de l'artiste. Et ben en fait, c'est un artiste que j'aime beaucoup qui est de Paris, qui s'appelle Le Ménestrel. Et en fait, il fait partie de la House of l'Assemblée avec Camus, Dolly Page et The Arsenic. Et il fait beaucoup de maquillage très extravagant, transformant vraiment son visage, en déformant les traits, en ajoutant beaucoup de nuances. Et c'est vraiment assez spectaculaire quand même dans ce qu'il fait. Moi, je ne connaissais pas. Peut-être, je connaissais, oui, un peu l'image. J'ai déjà croisé son image. Mais je ne connaissais pas l'artiste. J'étais choqué, vraiment très jeune et ouais. magnifique. Donc, Mike, il a vite fait un dessin. On a trouvé des photos, hein? Oui, on a trouvé quelques photos, on a vu des dessins et en fait, on va essayer de s'inspirer de sa manière qu'il transforme son visage pour nous pouvoir réussir, essayer de faire quelque chose sans faire de copier-coller non plus parce que c'est voilà. pas le but. Ah non, c'est pas le but. Artiste. Souvent, je trouve des artistes que j'aime bien, que j'essaie de m'inspirer, prendre une petite inspiration, ouais, mais jamais copier. Parfois, j'essaie de copier un peu, mais c'est vraiment pour capter le... Ouais, ouais, là, c'est vraiment essayer de comprendre son trait et puis bah, essayer de s'inspirer pour pouvoir aussi mettre notre patte dedans et essayer ouais. de créer quelque chose qui ressemble à House of Love. Oui, mais je suis très content parce que comme ça, j'apprends quelque chose et on va travailler le look ensemble. Lui, on va vraiment développer le truc ensemble et on va voir qu'est-ce que ça donne. Moi, je lui ai proposé 3 couleurs. So, I'm... just for you, if you didn't understand, we are gonna get some inspiration with a guy from Paris. I'm gonna post all the links here, not now, but later when the video is on. So you can check this artist. His name is Le Ménestrel. Le Ménestrel, and a very young guy, gorgeous makeup. So you can check them out. Today we're gonna do something inspired. So the idea also is bring another artist. Talk about an artist, another. Mm-hmm. That's the thing we want. So I propose those colors. Mm-hmm. Take yeah. this one, darling. This one. And also this one. Let's see. And I've, of course, white and dark if we need. But those 3 colors. And, yep. we're going to try to develop this together. Yep. All right, Mika. Merci. Thank you.
So let's get this party started. I should prepare myself before, but I didn't. Tu as enlevé déjà ton... Oui, j'ai retiré mes sourcils. Non? Aïe, aïe, on va voir là, mon cher. Qu'est-ce que ça va donner? Tu as besoin d'un truc pour la tête? Ah bah oui, regarde. Oh mon Dieu, la France. She didn't bring anything, this. Nada. Merci. Nada de nada. I'm sorry, darlings. What? Oh, c'est si sexy. Like two big stars from silent movies. The idea also to start in the very beginning is also, you know, to chat. I told Mike, we're going to chat, we're going to talk. He said, we're going to do a live. I said, yeah, but a live is not something bad. It's fun. It's a talk. Yep. And if they don't like, they don't watch. Look, somebody wrote something. Oh. What is this? Can you a see? Heart. You don't see? A heart. Yep, a heart. A heart back to you, honey. on peut pas mettre de musique. Ah non? Parce que sinon YouTube... Ne veut pas. Je peux pas la... Je n'ai pas le droit de faire d'argent. Tu as genre quelque chose pour préparer ta peau, une crème? Ah! Moi j'ai fait ça après, mais j'ai... j'ai ça. Je pour hydrater ta peau. J'aime bien avoir une belle peau hydratée. Normalement, j'ai... Normalement, mais avec... c'est un peu bordélique, mais... Attends, c'est quoi? Ça, c'est un truc aussi pour mettre, s'il a encore, mais... Non, j'avais un studio fixe, un tout nouveau studio fixe, que Michael m'avait donné. Il a encore du produit? Oui. Ah oui. Là. Je crois qu'il a encore, mais j'ai un autre ça, nouveau. C'est pas pour les lèvres, moi je mettais ça pour... Ça va? Pour mes lèvres, enfin, je crois. Non mais lui, ça, c'est bien, regarde, genre... Make-up base, c'est exactement... C'est un très bon marché et qui marche hyper bien. Vraiment. Vraiment. Ça couvre, ça donne une peau mate. Oui. Et assez protégée. Mais l'autre studio fixe aussi, c'est bien. Non, j'ai plus de colle ici, donc je vais attaquer. Et comment tu vas faire? Tu vas couvrir ton... sourcil? Ben, je vais pas avoir le choix. Entier? Si? Ouais. Oh! Ça fait très longtemps que j'ai pas couvert mes sourcils. Donc je sais plus trop comment... Full cover. En parlant de ça, j'ai une... c'est pas une fan. Je n'ai pas dit ça, utiliser ce mot fan. C'est quelqu'un qui me suit beaucoup, Nick. Elle m'a offert, regarde, les trucs, la colle. La colle que les drag queens américains utilisent. Elle met ça. Ouais. Ah oui, moi c'est celle que j'utilise. C'est vrai? Aussi. Ouais. Tu veux utiliser aujourd'hui? On peut essayer. Moi j'aime bien. Ah, alors prends. C'est un super. Nick, si tu es là, regarde. Parce qu'en fait, avec celle-ci, avec elle est bien, mais je. Elle rache tellement les sourcils. C'est vrai? Ah, moi je trouve qu'elle m'arrache trop mes sourcils. Ah bon, meuf, moi je suis tellement poilu, mon cher, que je m'en fous si ça arrache. Donc tu vas, c'est nouveau, hein? Nick, look, she's gonna use your glue, so... She brought me yesterday, qu'est-ce que tu veux? Il me faut une brosse. Ah, attends. Maintenant, sur le net, je ne vois plus rien. Normalement, j'ai ici quelque part, Non? Non. Oh, là-bas? Ah non. Ah non, attends. Ça. Oui. Mais il a du... Il a déjà des trucs, hein. Il faut... J'ai mis le... Comment ça s'appelle? Aid, là, le Press Aid. J'ai fait vidéo. Mais j'ai été content aussi avec cette vidéo, tu sais. Oui, j'ai essayé le Press Aid, j'ai essayé le... Après, j'ai fait une vidéo que j'ai parlé des deux techniques. Ça n'a pas donné beaucoup de vues. J'étais un peu déçu. Parce que j'ai fait une belle édition, j'ai bien coupé. Oh, édition d'un montage en français. Ouais. Tu sais ce qu'il te manque? Un deuxième miroir. Comment? Où? Pour moi.
Comment deuxième? Ah, comme ça? Oui. Oui, mais celui-là, tu peux bouger, non? Oui, bah lui, t'as vu comment on zoome? Lui, c'est bien déjà. Oui. So, if you are listening to him, if you've got an extra mirror and you can give us, we are gonna be very happy to get an extra mirror for House of Love. Donations. Ah mon cher, j'étais tellement content il y a 4 jours. J'ai eu un message d'une maman brésilienne Ah qui oui. me suit et elle m'a dit, tu sais pas comment on t'aime ici à la maison, papa, mon fils a beaucoup parlé de toi, tata, parce que j'ai fait un live une fois avec des politiciens, des jeunes politiciens brésiliens. J'ai fait un live, j'étais tellement fier de participer avec ces jeunes brésiliens, Ouais. très militants, très engagés en politique. Et à la fin, il y avait un garçon qui est apparu et on a échangé un peu de messages. Bon, on a discuté. Et lui, il a parlé avec sa maman, de moi et papa. Il m'a fait un message aussi en disant, oh, je parlais de toi, ma famille est devenue tes fans et papa. Je dis, oh, je trouvais mignon. Et après, sa maman a écrit, oh, merci beaucoup, c'est vraiment sympa. Je peux parler de toi sur mon Instagram? Je dis, mais bien sûr que oui, madame. Elle a parlé de moi. Et après, j'ai trouvé bizarre que c'était trop, tu vois, trop. Merci, merci, merci. Ouais. Et avant-hier, on m'a fait un message. Encore un grand merci pour tout ce que tu fais, papa, pour mon fils. Alors, je dis, mais je comprends pas. Oh. Et, oui, c'est du sérieux, mais Et du vraiment, coup, tu as qu'est-ce que sauvé mon fils. c'est vrai? Alors, j'ai dit, madame, pardon, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu parce que je comprends rien. Mais écoute, mon fils, en fait, mais ça c'est entre nous, il était pas bien, il était vraiment pas bien, il est tombé dans une dépression horrible, il était à l'hôpital, il était vraiment. Est-ce que tu as une pince à épiler? Normalement ici. Là. Alors, j'ai dit, oh là là, elle a dit oui, et après ton live, après qu'il a parlé avec toi, il a eu un coup de pêche, il a eu un. Une Ça a changé révélation. sa vie, et je dis, oh. Elle dit, donc c'est pour ça que je t'ai dit merci parce que tu as changé la vie de mon fils. Alors C'est hyper gentil. j'étais un peu choqué quand même. J'ai dit, waouh! Et maintenant, je commence à parler un peu avec le garçon. Je lui envoie des messages. Il est hyper bien. Ils se sont hyper bien. Et hier, il s'est ouvert. Il s'est ouvert un peu. Il a raconté un peu plus ce qui s'est passé. C'était une dépression. Donc j'ai commencé à vraiment à raconter un peu sur moi aussi. Et il est hyper content. Ah, ça m'a fait énormément de plaisir. Oui, il y a un vrai dialogue qui s'est mis en place avec lui. Oui, et le fait de, tu vois, d'un truc que je fais ici, pff, moi je le fais parce que j'aime. Et je sais pas, ça m'a touché vraiment. Ah, I got another sponsor, darling. Ça vient d'où ton truc? Not today, Satan. Not today, Satan. No, Satan has no place at House of Love because we don't like him, because he's negative. He brings people. Oh, mon Dieu, mais il est l'autre. Ça, c'est mon cheekbones. Il est où, mon Dieu? Bon. Je commence à avoir un peu peur, hein? Pourquoi? Oh, j'ai peur de pas bien faire. Ah, je m'en fous. Non, on va bien faire, tu vas voir. On va s'y. Je suis sûr qu'on va faire un truc très sympa. Hi, hi. My name is Love. Sugar Love. En Donc fait, ce tu. que je fais, je prends toujours, moi, je prends le dos d'une pince ou alors un pinceau plat. J'ai une cuillère hein, aussi, si tu veux. Moi, je peux essayer avec la cuillère, c'est plus large. Parce qu'en fait, quand tu brosses tes sourcils, du coup, ils se mettent tous dans la même direction. Mais j'ai tendance, les miens, en fait, du coup, qu'il y ait des trous entre chaque sourcil. Et donc, en fait, Tu coupes avec ça?
Je viens avec la colle pour insérer en fait. Ça, je vois vraiment qu'est-ce que tu vas faire parce que. Je viens en fait à l'intérieur. Oui, je vois. Tu fais le travail de la cire. Oui. Moi, j'aime de la cire. Parce que j'aime pas trop la cire en fait. Ou alors c'est parce que je ne sais pas comment l'appliquer. Non, c'est vrai que la colle Mastic Spirit Gum, c'est une autre technique. C'est technique, comme toutes les techniques, il faut la maîtriser, il faut l'apprendre. Et ça, c'est pour ça qu'on Nick m'a écrit. Elle a dit, écoute, je vais acheter de la colle, acheter pour toi, je t'amène à House of Love. Acheter et je dépose dans ta boîte. Et hier, je rentre ici, tout, il avait deux colles là. Et j'ai dit à Nick, je vais essayer un jour. Et voilà, maintenant c'est toi qui essayes. So you are looking at two different techniques. I am using the Mastic Spirit Gum and Mike is using the Elmex. Elmex. The glue. Yep. And it's fun because we are going to have two different techniques. And I did a video talking about two different techniques, but one is Pros 8 and the other Mastic Spirit Gum. If you didn't see the videos, check my previous videos because I am talking about the products and everything, and it's fun, it's nice. And today we bring you another technique. So you see, Sugar Love Show is culture. You can learn a lot here. Huh? Oh, yeah. Mais tu sais, comme beaucoup de gens me demandent, moi je suis satisfait avec tout mon boulot que j'ai fait ici à YouTube, même s'il y a des jours que je trouve que j'ai pas un grand soutien de YouTube. Mm-hmm. Parce qu'en fait, YouTube, c'est toutes des machines qui font les choses. Oui. C'est les machines qui font la promotion des chaînes et tout. C'est tout numéro. C'est des numéros. Donc, comme j'ai beaucoup... J'ai pas ma chaîne et mes vidéos, j'ai pas beaucoup de commentaires. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas beaucoup de commentaires. Et les commentaires font pousser les chaînes. Oui. Et les vidéos. Les commentaires, les thumbs up, les positifs, donc tout ça, c'est pour ça qu'il y a des youtubeurs qui sont désespérés. Hein. Ils commencent la vidéo, ah oh, s'il te plaît, mets le thumbs up, oh, partage la vidéo, fais un commentaire, subscribe, parce que tout ça, ça fait bouger la chaîne. Mais moi, j'ai pas tellement envie de ça, tu sais. Oui, et puis c'est plus du contenu de partage, parce que tu as envie aussi de... Si, tout à fait. De faire voir ce que tu fais. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai fait plus de transformations. Avec des Violet Chashki. Oui. Donc elle faisait cette transformation, elle parle beaucoup maintenant. Quelqu'un écrit quelque chose. Oh, c'est fini. C'est fini, c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses? Attends. Je sais pas si. Oui. Si. Ça va. Et ça sec? Oui, ça sèche. Bah, là, c'est pas vrai. Là, c'est pratiquement sec. Oh, intéressant. Mais du coup, cette colle-là, en fait, tu peux pas l'acheter. Elle n'est pas vendue en Europe. Il faut que tu l'achètes via. Bon. You are alive. Ah, ça a coupé mon live. Ah, donc, oui. Bon, non, regarde, ça continue. Non, maintenant, ça continue. Oui. Bah, tu vois, moi. Regarde, une couche. Oui. Maintenant, j'attends, mais je suis obligé de mettre de la cire. Ouais, mais en même temps, tu as vu comment ils sont hyper épais, ouais. Mes sourcils. Oui, mais tu as de la chance qu'ils sont fins. Oui. Parce qu'avec l'âge, ça va devenir épais. Épais, non. Et... Oui, les poils, ça devient épais. Tru. Et là, c'est compliqué. Tu sais quoi, je vais déjà protéger ma peau. Ça m'a fait hyper bizarre de me raser tout à l'heure. Hein. Parce que c'est vraiment quelque chose
que je ne fais pas souvent. C'est vrai? Oui. J'aime pas trop trop la sensation de ne... d'être nu. Donc, je parlais de Violet Chachki. Ah oui, c'est vrai. Donc, elle a fait ses vidéos. Maintenant, elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup. Mais elle montre très peu. De elle... ce... Si, 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 de sa transformation. Elle, elle commence à montrer comment elle commence. Bah! Ça coupe. Et c'est déjà presque prêt, hein? Le cut crease et tout. C'est vraiment... Et après, elle parle un peu. Elle raconte qu'est-ce qu'elle a fait. Mais tu vois pas. Sacré professionnel. Ben oui, c'est voilà. Et moi, encore une fois, je veux pas faire la grande, mais encore une fois, j'ai fait des choses que personne fait. Démontrer vraiment toute la transformation. Une fois par semaine, je montre au moins deux transformations entières, des A à Z. Donc, si la personne veut voir vraiment qu'est-ce que j'ai fait, tu regardes ma vidéo. Tout oui, et puis ça permet aussi de se rendre compte les étapes. Et puis oui. Même si tu n'aimes pas forcément le maquillage, et bah, du coup, ça te donne les tips pour... Ouais. Et après, je m'en fous. Les gens voient. J'ai fait des montages des heures. Et à la fin, les gens pour faire le montage de 15 minutes. C'est une raison que j'ai arrêté de faire des montages de maquillage. En même temps, je suis très excité et en même temps, ça me fait un peu peur. Si, mais ça fait toujours peur. Parce que ça fait déjà très longtemps que je n'ai pas fait d'essai make-up ou de transformation. La dernière transformation que j'ai faite, c'était pour la vidéo d'anniversaire de Max et Xavier pendant le confinement. Non, mais c'est vrai. Et c'est tout. Pendant le confinement, j'ai même pas. J'aurais dû faire plus d'essais make-up et j'ai pas oublié, j'avais pas envie. Ah bah, parce que c'est du boulot, hein. Oui. Parfois, j'arrive ici, je suis un peu fatigué déjà, parce que je sais tout ce que je dois taper. Maquillage, après, hip-pads, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça m'a. Mais une fois que je commence, j'oublie. C'est ça le truc. Ouais. Une fois que tu commences à te concentrer. Et tu t'en fiches du temps que tu passes. Ouais. Hein. Et c'est aujourd'hui, alors, la première de RuPaul's Drag Race Holland. Yep. C'est. Very first. I'm going to watch it because you have to pay, no? Je crois oui. Ah voilà. Et j'ai pas d'argent, je suis pauvre. Si RuPaul était vraiment gentil, il pouvait me donner un code spécial pour entrer et regarder gratuit. So people will say, ah, Sugar Love is not going to watch. She lives in Belgium. She's European. She should look at RuPaul's Drag Race Holland. It's very important. I know, but I'm poor. I don't have the money. Well, I'm going to contact, maybe someone is going to write here later, a link where I can watch it for free. I think I should watch it. Huh? I mean, because, yeah. Bah tu peux, hein. Mais où? Je pense qu'on peut réussir à trouver sur Internet des personnes qui... Ah oui, je vais demander ça sur ma page alors pour si quelqu'un peut passer un link et je peux regarder. Je veux voir. Je m'en fous, hein. C'est toujours la même chose, toujours la même formule. Bitchy, tu dois être bitchy. Et tu vois, j'ai vu un extrait quand les gens arrivent. Tu vois, elles font tous comme ça. Oh. Ouh là là, c'est la même chose. Mais je crois que c'est important de voir. Parce que moi, j'ai vidé ça. Hein. Mm-hmm.
c'est mon métier, donc je dois rester connecté. Connecté. C'est quoi ça, quelqu'un qui a mis quoi? Je suis content que chez maman est ouvert. Enfin. Et que ça. Ça marche plutôt bien. Si, nous sommes bien. Mais je ne vois pas les habitués, hein? Non, aucun. Donc, je crois que je vais faire une vidéo aujourd'hui. À la fin de journée, après que tu pars et tout. Je vais faire quelques vidéos. Je crois que je rentre très tard aujourd'hui. Je vais beaucoup bosser aujourd'hui. Je vais profiter. Je vais faire ça. Chaque fois que je viens ici, que je fais un maquillage, je vais profiter pour enregistrer plein de vidéos. Mmh. Comme ça, j'ai du matos pour toute la semaine. Et je vais faire une vidéo spéciale en parlant de ça pour chez maman. Qu'est-ce que t'en penses? Tu n'as pas mis de la poudre, hein? Ah non, mais j'ai pas poudré du tout, là. Ah, ils sont juste bah collés. Ouais, c'est... Mais et tu dois attendre alors maintenant combien de temps? Ah non, mais tu vois, c'est bon. Mais mon Dieu, elle a sec dur. Mm-hmm. Ouh, je vais essayer ça. Je vais essayer. C'est vraiment pas mal. Bon, là, j'ai un petit peu foiré. Parce que, genre, ils sont pas forcément très... Oh, darling. Sponsor. It's a sponsor, Gloria Doll. C'est une drag queen de Londres qui m'a offert. Elle a vendu ça sur eBay. Ils sont pratiques. Oui. J'étais content la semaine passée. Je suis venu ici et je voulais faire un maquillage. J'ai commencé à faire un maquillage complètement hors norme. J'utilisais pas du tout des techniques que je connaissais. Ouais. J'ai essayé. Et d'un coup, ça donnait pas mal, c'est l'air toute rose. Oui, je l'ai vu. Et Fernanda, là, j'ai fait un live pour Fernanda. Fernanda dit, mais c'est quoi ce maquillage-là? Je dis, pourquoi? Elle dit, pourquoi tu fais pas ça chez maman? Je dis, pourquoi? Elle dit, mais parce que c'est beau. Ça change, hein. Ça donne hyper bien. Je dis, ben, pourtant, c'était un maquillage raté, hein. Il a dit, ah bon, raté? Comme quoi? C'est pour ça que je crois que c'est très... J'ai pas un autre. C'est pour ça que c'est très important de... Le maquillage, c'est pour ça que j'aime bien les jeunes. Parce que les jeunes, ils cassent les règles. Il faut essayer. Si. Et les règles, c'est... J'étais comme ça quand j'étais jeune. Les règles, il faut la casser. Mais j'ai un ami qui disait toujours, oui, les règles sont faites pour casser, mais il faut connaître les règles. Pour les casser. Les casser, voilà. C'est pas, oh, je vais faire ça. Non, non. D'abord, tu dois connaître la règle. Et après, tu peux dire non. Je ose. I am done. Et quand tu fais drag queen, tu dois changer ta voix. Tu dois faire un personnage aussi. Hein. I am done, so my... Moi, j'aime bien garder ma voix, justement. Me too, but you know, when you've got a YouTube channel, you have to build a new character. So people think you are another person. And since I start my YouTube channel, I told myself, well, sugar, you have to change. Tu vas dire, qu'est-ce qu'elle a? Quoi? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Le truc pour retirer le surplus que j'ai mis tout autour. Oh. Tu sais que si tu l'utilises, je vais l'utiliser Et écoute, et si tu as le coronavirus, hein? Oh mon Dieu, ah, oh, ils sont encore un peu mouillés. J'ai nettoyé tous mes pinceaux Lego. Non, comment ils sont sèches un peu. Non, non, ils sont un peu mouillés. Oh merde. So darlings, those two different techniques. This technique of blocking the brows, I used Mastic Spirit Gum by Crayolan. And Mike just used a different technique. What? Look what he used, this glue, American glue. Is it American? Je
crois. Oui, une colle américaine produite en Chine. Oh, it's American but produced in China. Very, very interesting. I like capitalism, you know. I just love capitalism. Oh my god, I cannot be sexy because YouTube block you. Maintenant, mon cher, qu'est-ce qu'on fait? Le fantôme? Je pense. Oh mon dieu, on commence alors. Tu sais, je sais pas si tu as regardé la vidéo que j'ai faite. J'ai commencé à essayer ça. C'est bien. Ouais. J'étais étonné. Ouais. De chez Non, Grimace. Ah. Et c'est trois fois plus la quantité de ça. Attendez, je sais pas si tu vas bien. Tu vas bien? Oui, oui. Combien on a là? Ici, on a 60 ml. Et là, ici, c'est même pas marqué. Non. Normalement, Patrick, il a dit que c'est presque trois fois la quantité. Non, là, là. Ah oui, parce que tu m'as mis effacé. Non. Non. London, Berlin, San Francisco, Cryoland. Non. Non, non. Ça va pas. Ah non, here. Non. Non, ça, c'est le nombre de mois. Ah. Quand il est ouvert, il est censé être ouvert pendant 24 mois. Mais il paraît que c'est au moins au double, le double. Oh bah oui. Donc tu gagnes déjà si tu achètes ça. Clairement. Mais ce n'est pas la même chose. Non. Elle est plus... ça, c'est très épais. Ça, c'est moins. Ça, mais ça, ça a l'air très gras. Celui-là est plus gras. Celui-là est plus gras. Ouais, est plus gras. Ouais. Donc maintenant, il faut trouver une couleur pour toi. Hein. Oui, bah déjà, mettre une base. Ah, ça. Oui. Moi, je mets le... Avec le doigt. Ah ouais. Est-ce que j'ai toujours un peu de... Cernes. Quoi que les cernes, regarde, genre même ma barbe. Ah, bah t'imagines moi. C'est bleu. C'est vrai. Si. Mais j'ai la peau plus foncée que toi. Hein? Oui. Vachement plus foncée. Aujourd'hui, j'ai fait un truc très fou à la maison. Qu'est-ce qu'il sait là? Il a quelque chose. C'est quoi? Oh! Quelqu'un qui dit. C'est Nick, je crois. Ça, c'est dommage que je ne réponds pas les gens. J'ai plein de commentaires, mais je ne réponds pas. Je ne vois pas déjà. Donc aujourd'hui, j'ai fait un truc très fou. Je ne vais pas raconter parce que sinon les gens vont dire, je ne veux pas. Ils vont écouter de toute façon. J'ai créé des images dans ma salle de bain. Et maintenant, je veux trouver quelqu'un qui sait faire un montage parce que je veux faire une vidéo un peu choquante, militante. Et tu veux faire quoi? Tu veux faire un photomontage? Non, c'est vidéo. Je veux mettre un slow motion. Mmh. Et... Je veux mettre des informations. Ok. J'ai voulu faire un truc vraiment sympa, tu sais. Parce que le message est très important. C'est des trans et des drags, des homosexuels qui sont morts. Mm-hmm. Toutes les années. Donc je veux trouver vraiment les informations, les vraies informations. Combien de gens au monde sont tués. Papa. Et utiliser mes images que j'ai créées. Mais faire un truc un peu artistique. Mais pour ça, je dois trouver quelqu'un qui peut bien faire, tu sais. Je pense que tu peux demander à Théo, chez maman. Théo, Théo peut faire. Théo fait de la vidéo. A une formation de, maintenant? De vidéo, photo et tout, oui. Parce qu'il fait de l'animation, non? Tout ce qui est animation, montage vidéo, tout ça en fait. Hein. Son âme fait des choses très intéressantes aussi. Oui. Son âme, c'est son métier aussi. Hein. Tu sais ce que je dis? Moi, pour... Prends. Pour mes cernes, pour les yeux, j'utilise du violet. Ah. Au lieu de mettre du rouge. Et normalement, quand tu regardes le dos en fait, du truc, hein, tu as de la palette. Justement que le violet ça serait plus pour les rougeurs, les boutons, les choses comme ça et tout,
Et moi, en fait, je l'ai utilisé la première fois parce que je me suis trompé. Et ça marchait. J'avais mis ma couleur et je me suis trompé d'endroit sur mon visage. Bah écoute, nickel. Ça a été parfait. Et du coup, bah, maintenant je continue. Bon, du coup, je vais mettre du rouge sur mes yeux aussi. Et j'ai acheté une nouvelle crème de chez NYX pour, pour préparer la peau au maquillage. C'est j'allais dire un lubrifiant. Un pot rose. Je crois que c'est la dernière collection, mais je suis pas sûr. Incroyable. Mais ils ont de bonnes choses, tu Ouais. sais, vraiment. Ils ont vraiment des choses vraiment très chouettes. Ouais. Et pour pas trop trop Voilà, cher. c'est ça que c'est important aussi. Ouais. Là, je me suis vraiment badigeonné la gueule de rouge. Oh là là, vraiment, hein? Là, je suis bien badigeonné, hein. Vraiment, t'es vraiment. Tant pis. Du coup, il va falloir que je mette un fond de teint. N'a pas trouvé ton pantin. On l'a pas cherché non plus. Non, mais j'ai déjà montré pas mal, hein. Ça, je crois que c'est pour toi. C'est le plus clair que j'ai. Trouves que Après, eux, ils sont tu pas. peux chipoter, hein. Mais ça, c'est le fond de teint. Parce que. Oui. Non, c'est de la poudre. Alors, c'est ça, le fond de teint. Oh, ça. Il faut regarder parce qu'il a des fonds de teint et il a des poudres. Non, ça c'est la poudre, ça. Ah, donc il n'a pas de fond de teint. Si, Oui? ici. Attention, c'est une palette très chère, hein? Oui, bah j'aimerais bien regarder. Non, si, regarde, c'est gras, ça. Même quand tu le mets sur. Ah, c'est un Et peu tu vois, bon. genre, elle est pas si mal quand je mets. Tu dois bien m'expliquer, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, on va essayer, hein? On va faire ensemble. Oui. On va discuter. Donc d'un coup, tu vas dire, fais ça. Je dis, non, 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 non. Je n'ose pas faire ça. Qu'est-ce que tu veux? Un pinceau. Ah, pour fond de teint, Oui. tu dois utiliser celui-là. Hein? Coronavirus, il va être partout aujourd'hui. T'en as pas un autre celui là-bas, là? Mais celui-là, je n'utilise pas pour le moment. J'ai peur d'utiliser celui-là. Pourquoi? Moi, c'est pas trop d'habitude d'utiliser ce. C'est la poudre, je t'ai dit que c'est la poudre. Il n'y a pas de grain. Non, Bon, alors je vais utilise essayer ça. celui-là et j'ai un peu clair. Tu as un peu clair, hein? Tu vas mélanger celui-là. Tu mélanges. Je mets les deux comme ça directement sur mon visage. Je suis bronzé. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression d'être un martien. Don't run, we are friends. Donc, d'un coup, hier, j'ai fabriqué deux hip-pads et je vais demander à ma couturière pour rajouter du tissu pour faire un truc très sympa. Je vais mettre à vendre. House of Love s'expatrie. Oui, parce qu'en fait, écoute, j'ai déjà produit des hip-pads pour beaucoup de monde. Hein, en fait, Ouais. je crois qu'en Flandre, j'ai déjà six hip-pads. Mais taxi, je crois. La diva, je crois que j'ai fait. Et maintenant, je connais comment faire. Hein. J'ai fait très vite. Mais pour vendre, je demande pour ma couturière, faire une belle protection. Comme ça, le répète dure des années. Si tu ne mets pas de protection en dessus, seulement la.
La mousse, ça se casse. J'ai fait un peu carica, elle a cassé le premier jour. Premier jour. Est-ce que ça me choque? Donc, j'utilise lui. Ouais. Ok. Ah oui. On a fait déjà la bise. Si j'ai le coronavirus. Coronavirus, what a disgusting thing. Bon, moi je fais très attention. Masque tout le temps. Partout. Je lave mes mains tout le temps. Ici, tu as vu, on a de l'alcool quand on Oui. rentre là-bas. Ouais. Ici, dans la toilette, ici, il y en a. Parce que c'est un collectif, hein, d'artistes, donc il y a plein de gens qui viennent. C'est clairement pas ma couleur, mais bon, tant pis. Oh oui, tu es un peu jeune. Un peu. Non, mais il manque la poudre. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser ce fond de teint de grimace. La prochaine fois, je viendrai avec avec ma couleur. T'inquiète, aujourd'hui on va développer un truc différent. Ça va être chouette. My face is covered. Et ça vient caché alors? Moi, je vais le mettre un peu plus. Tu vas mettre Un quoi sur le peu plus. Ah crédit? ouais. Oh, vachement plus pour cacher tout ça. Vas-y. Heels to do my makeup today. Welcome to House of Love. Les gens laissent des commentaires et tu ne lis même pas, hein? Tu vois bien que... Oh mince. Oh, franchement, j'ai un assistant qui ne sert à rien ici aujourd'hui. Franchement, j'ai besoin d'un assistant. I need an assistant to read the comments. Top chat. André, vous êtes merveilleuses tous les deux. Oh, André, merci mon chou. Mais tu sais, André, elle est inutile. J'ai besoin d'aide pour lire les commentaires, pour parler avec le public, mais elle est occupée parce qu'elle est égocentrique. Odie, excuse-moi. Excusez-moi, Madame Love. J'essaye de camoufler. Alors, viens ici un peu, parce que je vais... Ah, c'est bien. Oh, celui-là est mieux. Oui. Pourquoi? Je sais pas, mais je l'ai senti. Tu sais que j'ai quand même quand je dessine mes sourcils, j'ai toujours un sourcil qui est parfait et l'autre jamais. Et je n'arrive jamais à refaire Ah ben le c'est comme même. ça, c'est comme ça. Oh mon Dieu, maintenant j'ai peur. Mais Poudron. j'ai peur, mais je suis très curieux. Très curieux. Je pense que ça peut faire quelque chose de très chouette. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu m'avais dit? C'est les couleurs de base, mais du blanc aussi. Oui, hein? On va utiliser du blanc aussi, non? Oui. Ah oui, Du noir? Elle a un beaucoup. eyeliner? Tu as encore la photo après? Oui. On verra bien. Je vous dis, la plus vieille est un peu... Et moi, j'essaie de me concentrer. Je me dis, oh, qu'est-ce que je fais? La plus vieille, un peu folle. Oui, mais Sugar Love, elle est folle. Elle est folle, oui.
Diva. Est-ce que toi tu commences par dessiner tes yeux et tes sourcils tout de suite ou tu commences par le teint? Le teint, tu veux dire le Le contouring? contouring Non. et tout. Moi, j'ai fait le contouring toujours à la fin. Ah ouais? Oui. Bah, on peut essayer de faire le contouring d'abord. Hein? Moi, je fais toujours le contouring d'abord. Genre, je fais C'est vrai? toujours, je fais toute ma peau. Et quand elle est faite, ensuite, je m'attaque aux yeux et tout. Mais c'est comme des gens, par exemple, qui font seulement les yeux d'abord. Ouais. Ils laissent la barbe, tout. Une fois que les yeux sont terminés, là, il va finir la barbe. Moi, je n'arrive pas. J'aime bien faire le visage entier. Après, je tape toujours mes sourcils pour avoir la base où je peux aller. Le cadre. Parce qu'avec le dessin de sourcils, je sais où je peux Ouais. aller. Je ne peux pas dépasser là-bas. Mais après, je crois que c'est tout. C'est des habitudes. Ah oui, mais c'est ça. Bah, je peux faire le contouring. Tu veux faire le contouring d'abord? On peut faire le contouring d'abord. Là, je vais retirer le surplus de poudre que j'ai. Là. Voilà. Ok. Alors, on fait le contouring d'abord. Heureusement, je vais avoir beaucoup de pinceaux. Hein. Encore. Ah, ben, on doit faire plus ou moins ensemble, non? Ouais. Ma soeur. Mac. Ah, Mac. Parce que ma soeur m'a donné. Merci Fernanda. Fernanda Last, parfois, elle me donne beaucoup. Parfois, non, elle me donne souvent des produits, tu sais. Des contouring, des couleurs. Oui. Là, c'est quoi? Ça fait deux blushs. C'est des belles couleurs, hein? Oui. Moi, je veux bien celle de contouring vraiment. Comme ça, tu peux utiliser celle de blush et moi, je prends celle de Oui. contouring. J'ai eu. Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je... Un pinceau. On fait ensemble Ah, là, tu alors. mets le blush d'abord, toi? Ah non! Mais la contouring, on peut utiliser les plus foncés, non? C'est comme tu veux, je pensais que tu avais une palette de marron ou des Non. choses comme ça. Ouais. Non. Pour le moment, non. Ok. Faisons alors. Donc tu penses que pour faire de... Comme le maquillage, on va utiliser des... on peut suivre un peu avec ça, non? Dis-moi. Oui. Bah toi j'aurais peut-être mis celle-ci en dessous pour essayer de quand même faire un peu un trait de contouring et puis celle-ci vraiment de blush. Ok. Great. Well done, darling. So, he told me to use this one first. The dark one. C'est ça. Là. Oui. Lequel? Celle-ci? Oui, hein? C'est ça, hein? Oui. Ok. Mais tu sais quoi, c'est celle-là. Moi, j'ai pensé d'utiliser un. Parce que j'ai fait ça la dernière fois et ça marchait pour moi. Le. Le carton? Oui. Un peu. Mais toi, tu peux faire parce que tu as de bonnes pommettes. Parce que je suis plus mince. Plus mince. Plus vieille. Plus mince. Tu fais très haut. Tu sais quoi, j'ai changé. Et même petit coup, elle a dit. Qu'est-ce que tu as fait? Tes pommettes, elles sont plus lâches. J'ai dit, j'ai changé. Oh. C'est la première fois que j'utilise quand même un blush comme ça Foncé? Non. pour faire un contouring. J'ai hâte d'aller travailler quand même ce soir. C'est la première fois? Non, c'est la troisième fois, C'est la sauf troisième fois. Hein? trois ou quatrième. Quatrième, peut-être qu'on retourne au bar. Moi, je peux pas monter comme ça, tu sais.
Si je monte trop, mon visage devient trop cadavre. Mais j'aime bien en fait essayer de suivre certaines formes de visage. Quatre pommettes. Et tu as mis du rouge déjà? Ah non, j'ai juste. C'est la même couleur. J'ai juste utilisé elle. Mais en fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé, toi, genre en vraiment mettant ici, j'ai poussé mon trait. Et ensuite, tu vois, si je voyais que j'avais trop de matière, du coup, soit j'ai mis de l'autre côté. Et c'est vraiment avec la matière que j'avais déjà mise que je suis venu estomper, en fait. Ça donne déjà deux choses différentes. C'est ça que j'aime bien. Ah, quelqu'un a mis un grand commentaire. Écoute, moi j'ai fait toujours ici en bas. J'ai travaillé oui. beaucoup mon contouring en bas. Parce qu'avec l'âge, ça commence À tomber. À tomber. Incroyable. Regarde ça. J'étais toujours carré. Hein. J'avais toujours le menton très carré. C'est la côte italienne. Mais maintenant, j'ai commencé à prendre de la graisse ici en bas. Et ça a changé complètement la forme de mon menton. Hier, j'ai trouvé une perle sur Internet, sur YouTube. Une transmission de radio de Tallulah Bankhead et Marlene Dietrich. Tallulah Bankhead, c'était une star des années 40-50, mais elle était complètement folle. Elle était très connue pour dire « Darling oh, ». Oui. « Darling ». Elle a fait une émission avec Marlene Dietrich, mais tu rigoles. Mais c'est incroyable. J'ai posté sur ma page. Elle la présente, Marlene Dietrich, et après elle dit, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est écrit ici, je suis obligée de lire ça. Qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, qu'elle est glamour. Et après, Marlene Dietrich, j'arrive. Ah, salut, Dalia. Oh, c'est toi! Mais elles vont déconner les deux. Mais c'est vrai qu'elle est très belle aussi. Qui? Marlene Dietrich. Si, mais oui, bien sûr. Même si toutes les femmes le sont quand même. C'est que toutes les personnes le sont. Chacun a son style. Ce qui est bien, c'est que ta caméra de pour la vidéo est très bien placée pour que je puisse voir. Si, hein? Je vais juste. Et maintenant, tu vas à la même couleur. Non, je fais deux tiers, un tiers. C'est quand même étrange que tu n'as pas de marron. Il était tellement bien basané. Non, j'ai des autres blushs. J'ai une boîte de blushs. Parce que j'aime beaucoup marquer genre le blush. Et tu vois, genre, ce que je viens aussi avec les produits de chez NYX qui sont blancs, des poudres blanches, les poudres achetées et tout. Je viens en fait faire un baking en dessous, au-dessus, sur le nez et tout pour vraiment pousser. Non, quoi que je ne vais pas faire mon contouring du nez tout de suite, je vais essayer de. Oui, moi je suis d'accord. De faire une. Moi je suis d'accord. Ça pèse encore? Je vais essayer de commencer de faire une petite ombre. Une petite quoi? Une petite ombre.
tatouage à cette joue me plaît beaucoup. Elle, celle-ci. Moi. On va regarder les commentaires. Ah, il veut nous épouser, André. André veut nous épouser. Ouh! André, tu veux nous épouser, tous les deux. On va faire un trio. Je voudrais reprendre ça plus tard. Café. Froid. J'aime beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est de la poudre blanche-blanche. Je crois, mais c'est de la poudre n'importe quoi. La poudre de talc, je Ah. crois. Mais alors, c'est du talc de bébé. Oh oui, en effet. Eh ben, on peut mettre du talc pour Si. le baking. Mais oui. C'est très bien pour faire un Où baking. ça? Moi, le baking, je fais en dessous. Du coup, toi, ça me permet de bien creuser. Je mets ici, Ok. tout ici, et sur Donc, la partie du front et tout, en fait. tu vas plus ou moins ça? Oui, c'est à peu près ça, moi, que c'est comme ça que je fais. Et puis, ça me permet aussi, toi, de vraiment bien dessiner mon trait de contouring. Oui. Expérimentons. Essayons. Mais c'est pas grave, moi, tu vois, le surplus, en fait, je le... Je le laisse, en fait, toujours. Et en fait, je laisse un peu agir. Genre, je le laisse un peu sur le visage. Si. Hein. Comme ça va bien prendre. Généralement, tu vois, quand je fais mon baking, eh ben, c'est le moment où c'est ma première pause. Quand je me maquille. Fumer ma cigarette. Alors, du coup, je me mets sur ma terrasse, à moitié maquillée, et je tous mes voisins Là-bas. Exactement. Am a creature that came in your now. Can you feel it? Ah, To you, darling. Oh, darling. No, I was not invited. I gave the party. yeah. Donc c'était elle qui a organisé la fête. Toujours plus, hein. Des triches. Qu'est-ce que tu veux maintenant? J'ai le droit de fumer. Oui, alors je veux que tu me guides hein, pour le. Pour après? Oui, parce que oui, j'ai compris plusieurs mots, qu'est-ce que tu avais dit ici? Non, moi, je commencerai en fait par dessiner en fait avec le blanc pour essayer en fait de ne pas commencer à dessiner le sourcil, mais juste en fait la forme. Tu sais, quand on fait nos sourcils de base, on met toujours du blanc en dessous pour recouvrir nos Guider. ouais et pour c'est vraiment bien leur dessiner, qu'ils soient bien linéaires et tout. Mais en fait, je pense que je dessinerai juste le blanc, qui me donnerait en fait l'espace pour travailler tout mon regard. Et ensuite, en fait, je viendrai justement positionner la couleur et tout dessus pour la chose. Encore, et on va utiliser de la poudre blanche aussi, hein, pour le, parce que j'ai ça, hein, ça c'est mon miracle. Hein, Fernando m'a même donné un cadeau. C'est nouveau. C'est le blanc, blanc, blanc. Et tu peux pas faire plus blanc. Issu du fou, issu du fixe. J'utilise ça partout dans mon maquillage. Surtout le teint et La tout. cut crease, tout. Et à la fin, je refais ça un tout petit peu avec ça. Bah, on peut commencer par mettre la crème.
pour vraiment, parce que la crème, au pire, si on a mal mise, on peut toujours revenir redessiner tout dessus correctement. Avec du blanc? Avec la crème blanche. Ouais. Moi, je commencerai par ça, pour vraiment, en fait, donner l'armature, en fait, au parfait. L'armature, en fait, du maquillage et du regard. Ouais. Donc, on peut faire ça. Mais écoute, The House of Love. J'étais à Londres pour le truc de maquillage. Oui. I met Londres. J'étais en drague, hein, et j'étais dans un compagnie Et ça c'est pour nettoyer? pour nettoyer le maquillage. Ouais. Ça tue les bactéries. Ah, Ça. c'est bien ça. Et j'ai jamais utilisé. À la fin, tu sais, venir ici, c'était très bien parce que j'avais trop de choses que je voyais même pas que j'avais. Je dis, putain, j'ai ça, j'ai jamais utilisé. Donc, Oui, moi aussi, oh. souvent, j'ai plein de trucs comme ça, que dès que j'ouvre mes mallettes, mes poches, Voilà. ah, mais j'ai jamais utilisé, Ouais. ou ah, oh, oui, il faudrait que j'essaye de faire avec ça aussi. Mais juste pour tester la qualité et voir si je l'inclus dans mes bases, en fait. Hein. Parce que j'utilise beaucoup les mêmes, et de temps en temps, je rajoute des choses ou je retire certains produits que je trouve qui sont moins bien que d'autres, des choses comme ça. Et du coup, j'utilise pas les mêmes, Non. mais je me fais ma mallette que je sais que d'office, ça marchera toujours avec n'importe quoi. J'avais gagné ça, par exemple. Qu'est-ce que c'est ça? On va voir. Je crois que c'est le contouring. Regarde. J'ai gagné ça de Kryolan quand j'ai gagné un C'est ça que je concours. voulais pour qu'on fasse le contouring. Mais elle est un peu brillante. Non? Oui, c'est vrai qu'il est un peu Oui, irisé. elle est un peu brillante. C'est pour ça que je n'utilise pas. Mais à la fin, tu peux l'utiliser un Ouais, peu pour... en parcimonie, genre juste toi pour foncer un tout petit Oui. peu, des choses comme ça et Et j'ai tout. gagné ça. J'ai gagné 4 palettes hyper de Kryolan. J'ai gagné un concours international. Vous savez ça? Oui, ça tu me l'avais dit. Et voilà, c'était dedans. Et alors, plein de choses que je n'utilisais pas. Et hop là, ils sont tous là. Tout est arrivé. Xavier était ici cette semaine. Oui. Il a dit qu'il va m'aider à... Je vais mettre une espèce de bois ici, large. Comme ça, je peux stocker des choses là, là, perruques partout. Je veux qu'ici, je fais comme chez maman, on met tout. Tout partout. Là-bas, non. Là-bas, c'est e-studio. C'est là-bas qu'on va faire des Les photos, photos. des vidéos, et voilà. Now we are going to start the makeup itself, because now we are ready, more or less. Look, 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 what's written? Sexy boy. Sexy boy. Thank you so much, darling. Who is sexy? He's sexy or am I sexy? Do you like my voice like that? Tu sais à qui on pourrait penser comme ça? À une personne sur les téléphones roses. Ah, le téléphone rose. Est-ce que ça existe encore? C'est vrai? C'est une question. Je crois que oui. Donc, just like she said, I left baking, you know. Et tu vois tout de suite comment que ça fait pour la mâchoire? Ouais. Mais j'aime bien quand je le fais, genre vraiment d'y aller genre d'un trait genre net, hein, pour vraiment que ce soit un trait droit et pas genre venir Ouais, taper. mais ça tu peux faire à la fin aussi, hein. Oui, mais moi, mais tu vois, genre ça c'est dans mes habitudes de toujours faire ça, dans cet ordre-là, en fait. Après c'est chacun, voilà. Chacun fait à sa manière, hein. Oui, et c'est comme je t'ai dit, c'est des habitudes. Mais c'est exactement ça. Moi, on m'a montré, tu vois, genre les premières fois où je me suis maquillé tout seul et tout, quand j'ai regardé des vidéos YouTube ou des choses comme ça, c'était de cette manière-là qu'il faisait. Et puis ensuite, au fur et à mesure, tu gardes certains trucs, ou alors tu changes. Absolument. Bah, il faut avoir le courage de changer parce qu'il y a des gens d'un sourcil. Moi, bah oui, en fait, c'est comme. J'ai fait la base. Oui, c'est ça. Ok. C'est comme ça que j'ai envie d'essayer.
Plus ou moins ça. Ça, c'est le guide, non? Oui, bah chacun, Et même. chacun sa manière, tu vois, genre ça permet, tu vois, moi je pense que le mon sourcil, après, tu vois, quand je vais le refaire, tu vois, genre je vais juste le dessiner, genre, tu vois, genre juste ici, par exemple. Et du coup, là, ça me permet, genre, d'avoir vraiment tout l'espace Où tu vas? où je vais travailler les Ouais. couleurs et tout. Et ça va être quelle couleur en fait? Et bah, du coup, on se basait sur les roses et tout. Tu voulais qu'on travaille celle-ci au début, tu avais présenté ces couleurs-là. Là, le problème, ça va être de devoir de faire le deuxième maintenant. Mais quand je fais mes sourcils, je toujours dessine toujours mes petits points, c'est que pour relier après Ouais. tout le monde. Je peux donner un peu la forme finale? Je pense. Parce qu'après, on va remplir avec quoi ça? On va remplir Avec la couleur? avec la couleur, genre essayer de faire des dessins et des choses comme ça et tout. Parce qu'en fait, on va pas forcément faire des yeux très classiques Non. comme on fait plutôt d'habitude et tout. Est-ce que tu as un autre pinceau? Un peu un pinceau comme tu utilises, Genre quoi? genre rond. Prends ça, regarde un peu. Plus épais, tu peux dire. Oui. Moi, je vois. Ça, par exemple. Et j'en avais plus un qui me plaisait beaucoup. Tu avais poudré avec lui, donc on va laisser de la poudre. La blanche, Dessus. Parce que là, c'est un pinceau que tu avais utilisé pour poudrer. oui, j'ai Mais. utilisé pour le blanc ça. Et tu veux quoi? Bah, je veux un pinceau comme on a utilisé là, mais genre avec un embout comme ça. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Tu as fini avec le tien? Lequel? Avec le pinceau que tu utilisais? Si. Oui. Bah, je vais le reprendre. Pour mettre de la poudre? Non. Non, celui-là, tu l'as utilisé pour le blanc. Le blanc. Oui. Ah, ok. Pour le blanc, oui. Oui, c'est ce que je voulais, en fait. Je voulais. J'ai pas compris. Ben, je vois ça. Parce que moi, je suis curieux pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre après ça. J'ai pas compris encore. Voilà. So fun. En plus, j'envoie des musiques. Une travaille, l'autre qui va. Tu vois, la toile ici. Tu vois? J'essaye de lui dessiner une forme. Tu n'as pas la photo originale après qu'on peut. On va baser sur ça. Ça sera bien pour un premier trait pour l'instant.
qui me poussait chez le dos. La discrétion. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais regarde ça. Une abeille. Si. Ah, aïe, ça c'est l'eyeliner alors. Tu donnes la direction de l'eyeliner. Je donne une direction. En fait, le blanc, je vais le laisser bleu. Enfin, moi, ce que j'ai envie, c'est que le blanc, j'ai presque envie de le laisser blanc. Et en fait, tu vois. Et la... les corps vont sortir Et de ici, tu vois, par exemple, je vais mettre de la couleur là. Ensuite, là, je vais mettre de la couleur. Je vais faire quand même une cote grise et tout. Je vais mettre de la couleur à l'intérieur ici. Et tout là et tout, en fait. Ok. Donc, déjà, le marquage va être différent. Le mien, le tien. Après, moi, j'ai décidé de faire des petites formes comme ça, mais tu fais des petites formes comme tu as envie. Et je pense que du coup, là, ça va juste me permettre en fait de base. Et comme du coup, après, on mettra les couleurs. Et bah, à la toute fin, en fait, je reviendrai probablement re-bien dessiner le trait et tout Ok. correctement dessus. Tu sais ce que j'ai hâte aussi? De mettre une perruque. Si? Ça fait longtemps que je ne mets pas de perruque. La seule perruque vraiment que j'ai mise, c'était pour les 25 ans. C'est vrai? Ouais. Et pour les débutantes de chez maman. Mais une vraie perruque comme toutes les celles que tu as, genre coiffées et tout. Méga perruque. Ah oui. En fait, j'aime bien concevoir le visage comme un tableau Ouais, et que si, tu si. viens dessiner, changer, reconstruire, Moi aussi. modifier. Un peu comme un certain canevas. Est-ce que tu penses qu'il faudrait faire le même de l'autre côté? Oui, si. Alors, est-ce que tu es prête de remonter chez maman samedi soir? Ouais, je vais essayer. Faut pas tomber. La dernière fois, c'était bien. C'est pas mal. Oui. J'avais l'impression.
J'avais moins mal. Surtout que maintenant, en plus, vous faites beaucoup plus de numéros que Ouais, tout à fait. qu'en temps normal. Hein. Ouais. Oui, chaque fois que je viens ici, il y a un moment que je commence à avoir froid. Parce que sinon, je chauffe trop. J'ai mon corps qui chauffe, la température qui monte quand je suis un peu stressé. Donc maintenant, bon, après on va attaquer les couleurs. Oui. Donc mon sourcil, ça va devenir quelle couleur? Ton sourcil, en fait, moi, je fais ce que tu veux, mais juste de pas en fait reprendre Oui, je toute vois. la forme, de juste faire un tout petit Tiens. triangle. Ah, oui. Par contre, j'avais un très petit biseauté qui était très... Peut-être ici. J'ai un Mac que j'utilise pour le petit contour. Et là, t'as dit quoi, marron? Marron, noir. Ce que tu veux. Ce que ça va donner, si ça va être beau ou alors si on a vraiment fait Des bêtises. des bêtises. Et après, l'autre qu'on attaque guerre dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elles sont moches. Oh là là, elles essaient de faire le même maquillage que moi, mais franchement, elles sont nulles. C'est comme ça aussi qu'on reconnaît le talent des gens et que les gens pensent aussi facilement que se maquiller, c'est simple. Si, tout à fait. Simple et facile. Alors que pas du tout. Je vais laisser ça comme ça moi pour l'instant et je reviendrai travailler dessus après. Demain. C'est rigolo.
C'est pas du sugar love d'habitude. Mais non, mais je voulais pas faire ça. Non. Est-ce que... Je voulais pas faire sugar love du tout. C'est vrai. Est-ce que tu as pas un... Normalement, j'ai... Noir, noir, hein? Ça n'est pas un eyeliner. C'est ça le nouveau? Je sais pas. Lui? Je crois. Normalement, c'est ça, mais je sais pas. J'ai deux, mais le même, mais un est vieux. Ça commence à donner une forme. Oui. Mais tout le maquillage, c'est comme ça, mon cher. Et c'est ça que j'ai dit à ma nouvelle fille hier. J'ai un maquillage seulement à la fin. Petit, si tu as raté. Seulement à la fin, tu vois l'étendue des dégâts. C'est beau, c'est pas beau. À la fin. Moi, j'aime bien la forme triangulaire. Maintenant, il faut voir mes couleurs. Je sais pas encore qu'est-ce que je fais. Non. Tu vois là, je me suis niqué. Tu vois, là j'ai fait une belle pointe et sans faire exprès j'ai relevé, du coup ça me fait Mais tu corriges avec du blanc, non? je verrai à la fin. Ça, c'est le mien. Normalement, j'ai fait comme ça. Donc, il n'a pas trop changé. Maintenant, je veux voir les couleurs qu'on va mettre, vraiment. Bah tu voulais pas qu'on mette les roses? Oui. On jouait avec les roses et Celui-là? on allait ceux-là. Jouer avec les roses. Non, maintenant. Non. Non, tout autour en fait du blanc. Là. Et Ouais, là? ouais. Ok. Oh mon Dieu. Oh my God, 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 my God. Oh my God, oh my God. Oh, I'm so curious. Oh my God. Now the party will start. Rose. J'ai un peu la main Là, qui tremble. Oui. c'est ça. Oui. Pour laisser du blanc en fait pour que ça donne genre la lumière et tout. Okay. Parce qu'il y a un jardin derrière. On a un grand jardin et il plante des tomates et tout. Non. Mais il y a des artistes qui sont plus préoccupés avec les plantes que leur art. Oh mon Dieu, s'ils vont écouter mon live, ils vont dire, oh là là, regarde, qu'est-ce qu'elle raconte quand elle est en live. Elle parle de nous. Non, parce qu'en fait, parfois, je suis en train de travailler. Si je fais des vidéos, partout, pas, on en...
Mike. Regarde mes petits sourcils. Oh, très petit. Et moi, je ne sais pas où je suis. Bah, Allez. on essaye. Hein. On va essayer, hein. Après, il a quand même du blanc, de foncé aussi, Bien non? sûr. Ah, lui, regardez, tout délicat et moi. Regarde, il vient avec délicatesse, précision. Et je regarde comme un ouvrier. Mais ça, c'est l'expérience, tu sais. Laisse ici, comme ça, je peux prendre aussi. Oui. Merci beaucoup, c'est gentil. Pardon. Écoute, je mets aussi à l'extérieur, non? Oui. Ici, pour former, non? Si. J'aime bien parce que le blanc, tu vois, même si je colorie dessus, et eh ben en fait, je vais pouvoir repasser ensuite tranquillement au-dessus de mes erreurs. Ouais. Mais moi, je voulais avoir sa photo pour avoir. Tu trouves pas ta photo, sa photo? Pour voir un peu, parce que je commence à me perdre un peu. Bah, c'est comme tu dis, hein, je vais pas copier, mais c'est chiant. Je me souviens la première fois que j'ai fait un live, j'étais tout content parce qu'après tu peux gagner d'argent avec ton live et tout. Bloqué. Non, pas bloqué. La vidéo, elle pouvait pas faire d'argent. Oh, j'étais fou. À cause d'une chanson des années 20. Ah, oui. Des années 20, j'ai dit, mais apparemment quelqu'un. Soit. J'adore m'amuser avec les couleurs. Ah non, je suis content, vraiment, parce que nous sommes en train de faire un truc complètement différent. Complètement différent de Shuka et de ce qu'elle propose. C'est tout à fait, c'est ça le but. Et c'est ça que je te disais aussi, le fait d'amener quelqu'un ici, c'est partager, c'est crier ensemble, je sais pas, j'adore cette idée. Et sinon, et aussi pour montrer notre tête, je ne sais pas, genre, moi j'ai jamais été comme ça. Moi, il a que moi, à moi, ah moi j'adore ça, à moi, ça c'est ma couleur, ah j'adore cette chanson, c'est à moi. Tu vois, il y a des gens qui, il y a des youtubeurs, c'est
tout est concentré sur eux. Bon, bref, chacun son style. C'est pas mon style. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'aime bien parce que là, toi, pour l'instant, c'est un peu rush. Parce qu'on n'a pas forcément estompé ou mis toutes les couleurs et tout. Donc, on est un peu en mode OK. Mais ensuite, quand tout sera bien mis, ça pourrait être vraiment beau. Mais toi, j'ai quand même très envie de mettre du jaune et tout. Quelque part. Je pense que tu vois un intérieur ici, parce que j'ai un peu comme dessiné un espèce de trait liner. Et du coup, je pense qu'à l'intérieur, quand je vais faire ma cut crease et tout, je pourrais venir en mettant du jaune et tout à l'intérieur, pour vraiment essayer de volupter la chose. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est pas du tout la manière que je construis Oui. un visage. Et donc, du coup, ça me perturbe un peu dans... Ben moi aussi. Et dans... tu crois que moi, non? Ben, si. Mais tu vois, dans la configuration de... Ah, comment je mets les couleurs et tout. Est-ce qu'on a un peu plus foncé que ces violets là que tu nous as... Ben, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai une autre palette que peut-être on va trouver quelque chose dedans. Pas une palette, mais mes couleurs. Parmi mes couleurs grimaces, j'avais un mauve. Normalement, un mauve très. Là, tu vois, par exemple, J'ai ça, non. non, Non, j'avais un mauve. j'ai pas l'impression qu'elle soit très Non, c'est pas fort. pigmentée. Ouais, en effet. Rouge, rouge, ça peut foncer un peu, non? Fais nous voir tes palettes. Moi, je peux... Attends, hein? No, darling, oh my god. I've got so many palettes here, wait. J'ai... Mon Fernando m'avait donné une palette, des palettes. Regarde, qu'est-ce que Fernando m'a donné. Alors, dis, regarde celles-ci, elles sont pas intéressantes. J'y crois pas. No, wait, darling. Sugar Love is rich, but she forgets that she's rich because she's so modest. Tu as assez de couleurs maintenant? Bah là, je pense qu'on a beaucoup de violet, oui. Bah d'un coup, je trouve que j'ai pas spécialement fait un truc différent. Je ne sais pas pourquoi. Bah je trouve qu'elle n'est pas trop différente de ce que j'ai fait de l'habitude. Si le naturel y revient en galop.
Je change la technique. Thomas, hein? Aujourd'hui, carrément, il parle avec moi. Manor, qu'est-ce que tu en penses? Oh ben j'aime bien. Ah, t'as mis l'autre là. C'est quoi? C'est un mauve? Non. Ouais. J'ai trop envie de qu'il y ait, comme, tu sais, quand tu travailles sur Photoshop ou sur Paint et tout, genre tu crées une forme et pof, tu poses la couleur comme ça dessus et ensuite tu viens faire des nuances. Là, j'ai trop envie, genre, pof, de poser un gros mauve dessus et ensuite je viens, genre, faire des petits aggratés et tout. Mais du coup, je suis en mode, genre, encore, encore, encore de la matière. Donner. Donner. Mais c'est assez particulier d'utiliser les pinceaux et tout d'une autre personne parce que c'est plus du tout comme toi tu Ah connais. non, non, non. Et du coup, tu es un peu attatillant parce que tu connais pas les pinceaux donc tu sais pas trop comment ils marquent et tout en fait. Donc tu es un peu genre, qu'est-ce qu'il est possible de faire et tout. Il me faudrait un pinceau un peu plus estompeur. Je suis encore perdu, mon Dieu. Oh mein Gott. Mein Gott, Gott. Je vais lost. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Pourtant, tu as mangé?
Mais j'ai mangé très vite. Le sandwich. Le sandwich. Mais j'ai avalé mon sandwich. Tu es retourné presque sur du sugar love. Ouais. J'ai retourné un peu au but. Non, en fait, je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, j'ai pas une image sur ma tête. Tu n'arrives pas à imaginer comment faire des choses, Oui, oui. donc je suis pas capable de créer un truc. Je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu bloqué. Mais j'ai pas fini. J'ai pas donné mon dernier mot. C'est où le eyeliner, chou? Merci. J'ai pas donné mon dernier mot. Donc, est-ce que tu as un eyeliner blanc? Non, mais j'ai un acrylique blanc. Attends, tu vas mettre où? Eh ben, pour redessiner les formes et tout correctement. Parce que je pense que ce que je vais faire, je vais me concentrer sur un seul œil. Et je viendrai. Copier le. Ouais. J'ai aucune idée, mon Dieu. Complètement moi non plus. Je vais voir s'il n'y a pas un deuxième blinder. Est-ce que ça mettrait aussi? Attends, j'ai ça, c'est un acrylique, c'est Mac Pro, c'est acrylique blanc. Et c'est un truc, mais tu dois chercher un pinceau fin blanc. Where are we going, my darling? Regarde ça. Tu aimes? Ben oui, enfin, le sugar. Mais je t'ai dit, j'ai plein de choses, j'oublie que j'ai. Bitch. Mais tu vas utiliser. Tu n'as pas fini, hein? Et tu vas utiliser encore, dis.
Ça va être un peu psychédélique, non? Un peu. Tu vas finir avec ton aide. Non, mais tu peux. Du coup, pour quand tu vas préparer ton nouveau show? Regarde ça, chaud. Ça Oui, change, hein? bah oui. Oui, enfin. Enfin, sugar. Mon nouveau. Ah, je pouvais le lancer, mais j'ai pas envie, tu sais. Maintenant. Ah! Eh ouais. Tu vas utiliser les techniques que tu connais. Et voilà. Bitch, I'm not done yet. Oh my God, je peux pas, papa, dis des gros mots. Papa, dis des gros mots parce que YouTube enlève le droit de faire d'argent et moi j'ai besoin d'argent. Argent. Oh, almost naked. Ah non, ça c'est du noir, du E. Non, j'ai besoin d'un pinceau plus propre. Ça a l'air propre. Ah. Ah. J'adore faire l'heure de l'œil. C'est vraiment genre. Et toi, ça va bien. Je peux passer genre vraiment genre 10 minutes à juste faire la pointe à l'intérieur de l'œil. Vraiment parfaitement. Oui, et tu fais vraiment bien. C'est toi qui as le beau jaune. Oui, ça moi, j'ai acheté. Celui-ci, tu l'as acheté? Rien. Rien qu'à ici, j'ai acheté. Tu vois, c'est dingue, genre, tu vois, j'ai posé le liner et tout de suite, j'ai l'impression d'y voir beaucoup plus clair dans mon maquillage. Comment? Et ben, je sais pas, c'est comme si en fait j'avais posé une base qui me permettait de. C'est con parce qu'en fait ce dessin-là genre, a été déjà fait avant avec d'autres couleurs quoi par exemple. Mais je sais pas, inconsciemment, mon cerveau s'est dit ok. Very, very crazy indeed. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Tu as utilisé quel pinceau pour le jaune? Il est bien épais, hein? Ah oui.
Hé, arrête de me copier. Ouais, c'est ça. Est-ce que... Attends, je regarde un peu ce que ça donne. C'est pas... Quoi? C'est... Moi j'aime bien, ça fait un peu Cirque du Soleil. Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais en bas. Aucune idée. Un Parce que je pensais pourri. de faire plus ou moins comme ça, mais... Est-ce que dans ta boîte... De Pandore, tu aurais par exemple des oranges. Mais regarde, qu'est-ce que c'est, j'en ai un juste là dans ça. Dans les couleurs là. Oui. Il va défoncer, hein. Non, je pense que lui peut être Regarde, regarde, là, 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 là. trois clairs, mais... C'est là, Ouais. non. Ah. Où est-ce qu'il est? Ah, tiens. Celui qui est en... Ah, c'est un beau orange. Google Books. Enfin, c'est pas possible. Possible. En fait, c'est mon bébé, chouchou. Je suis enceinte. Good. Non, enfin, tu l'as rangé, Là, oh t'as là tout volé, là. c'est ça. Tu sais quoi? Je crois que je vais pas trop chipoter. Je pense que non, pas si mal que ça. Je pense que je vais essayer de couper avec le plan. Est-ce que du coup on peut utiliser lui? Oui, mais maintenant, il a un petit secret. Oui. Tu n'as pas un fin, 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 un très fin. J'ai de lui. Oui, je crois que ça peut aller. Et tu utilises toujours du tampon. De quoi? D'ici, Ok. cette partie-là. Mais attention, il est hyper lisse. C'est un produit magique, hein? Il est très bon. Mais ça fait, c'est comme de la vaseline. Ok. Mon frère a beaucoup utilisé pour le Tomorrowland. Dans le maquillage de Tomorrowland.
T'as vu comment on est calme? Ouais. Comment on est concentré? Mais c'est chouette ça, de. Comment on dit? Ces moments de concentration. J'aime bien. Mais parce que c'est un moment de création. Oui. Et puis bon, c'est pas comme si je faisais ça non plus tout. Tous les jours. Tous les jours et tous les week-ends. Hein. J'avais normalement un petit pinceau que je garde tout ici. Concentré. J'ai un peu la main qui tremble, du coup je suis un peu en mode ça arrive, ouais.
Oh! Je sais pas quoi en penser en fait. Je sais pas si c'est beau ou pas en fait. Oui, il manque encore. Tu as fait un œil? Oui, bien sûr. Voilà, il manque l'autre, il manque le fossile. Aussi. Moi, j'ai dit la même chose au début, et après, j'ai dit, ben alors, on fonce. Oui. C'est à la fin de la bataille que tu peux dire que si tu as perdu ou pas. Mais je pense que je vais me débrouiller d'une autre manière pour le faire pour l'autre côté. Je pense totalement autrement. Tu vois qu'il a du positif. En même temps, on essaye de faire quelque chose Si, si, ouais. qui sort de nos chantiers battus et d'essayer de faire quelque chose qu'on n'aurait pas pensé et essayer de voir ça. Hein. Ouais, tout à fait. Moi, je suis très content, c'est. Peut-être que ça marchera. Peut-être que. Peut-être que les gens vont dire, mais c'est quoi ça? Quelle est cette horreur? Sugar, t'étais trop loin aujourd'hui. Non, je crois pas. Je crois que les gens vont dire que c'est différent. En anglais, on dit it's different, ça veut dire qu'ils aiment pas. Normalement, en anglais. Quand en anglais, tu dis, oh, it's different. Ça veut dire. C'est pas trop beau, mais ils ont pas le courage. Ah, mais faut le dire hein, quand c'est moche, hein. Bon, c'est. Moi, j'aime bien. Ça change complètement. Oui. Pas trop forcément ce que ça va donner. Et la bouche, c'est une bouche normale? Je pense que je vais faire une bouche nord, ma bouche habituelle. Je pense Bouche que. normale, ok. Ouais. Je pense pas que tu vois, je vais vraiment me casser la tête. Enfin, C'est ma couleur, ok? Pas avoir fait un maquillage comme d'habitude. Mais en même temps, c'est très intéressant. Mais tu vois, je pense que ce qu'il me manquait au début, c'était il me manquait des couleurs pour pouvoir faire un dégradé. Ah, maintenant c'est ma faute, tu veux dire. Ouais. Qui paraît exposer la boîte de Pandora. Oui. Parce que le fait là maintenant de pouvoir mélanger plus de couleurs, et bah Ta vie a changé. ma vie a changé. Mon destin s'est transformé. Ça y est. Mais comme là c'est pas du tout un maquillage comme je fais d'habitude, du coup. Bah,
Je suis un peu perdu dans les traits de construction et tout. Je suis un peu en mode. Ok, non. Mais en fait, c'est ça qu'à un moment, j'ai dit, allez, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça, parce que je dis pas, allez, on y va. Bah oui. Mais tu vois, comme c'est pas mes produits, et bah j'y arrive moins à les travailler comme les miens. Mais je serai pour la prochaine fois qu'on essaiera de faire encore autre chose et que je ramènerai ma boîte de Pandore. That's something different, sugar. Je suis en train de me regarder dans ton téléphone pour savoir. Qu'est-ce que ça donne? C'est très important, tu sais, de regarder le résultat sur l'écran. Écoute, pourquoi pas? Ouais. Je vais attendre ton line. Et tu vois là, ici, là, il faut que j'efface ce trait blanc ici. Là, je pense que je vais remettre un peu de fond de teint. Là, ça, là. Parce que déjà, ça aussi, en moins, parce que j'ai l'impression d'avoir fait des petites antennes de coccinelle. Maman aussi. Hein. Merci. Tu vois, là, j'ai très bien fait celui-ci. Bah, je suis pas sûr de réussir à. Oui, mais tu vois, tu as l'autre côté que tu n'as pas fait. D'un coup, quelle bouche j'ai fait, mon Dieu. Tu crois que ces artistes-là, ils travaillent avec... Oh, mais tu es complètement dehors, hein? Le cadre. Tu crois que ces artistes-là, ils travaillent avec des croquis et tout? Je pense, oui. Donc, il dessine, il va dessiner un croquis et après il va suivre. Je crois que ça c'est très important. Maman, je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas. Quand est-ce que tu veux nous présenter ta fille chez maman? Quand est-ce que tu l'as fait venir? Je ne sais pas. Tu crois que je peux? Bah, Bah, je sais. tu sais, je crois que ça pourrait être intéressant parce qu'elle chante au opéra. Hein. Pour faire un numéro, pourquoi pas? Non, puis pas forcément pour passer sur scène, mais Ah, ok, je vois. pour la voir en fait. Ok. Ouais, non, bah, tu sais quoi? Parce qu'en fait, je. Oh merde, regarde ce que j'ai fait. Attends que ça sèche. Bah, crie quelque chose. J'y crois pas. Oh Oui, ça non. arrive dans les meilleures familles. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai une faiblesse.
Tant pis. Des choses qui arrivent. Erreur de débutante. Je me souviens quand j'avais fait les débutantes chez maman et que j'avais perdu ma perruque. Laquelle? Celle de Chico. Je l'avais perdue sur scène. T'avais pas vu? Oui, mais ça arrive. Hein. Ça arrive parce qu'on n'a pas l'habitude de bouger. C'est ça le problème, de bouger. Et une fois que tu bouges mal, un moment, là, et tu n'as pas attaché, voilà. C'est ça, exactement. Et elle tombe. Si tu n'avais pas un bonnet. Tu as fini avec le blanc. Oui, tu peux. Parce que parfois, c'est bien qu'il reste un peu là parce qu'il sèche. Ok. Voilà. Bah, je vais devoir le réutiliser. Mais ne bouge pas, hein, alors. Tu le prends comme ça. Ok. Parce qu'il va rester. En gars, mon nez! Bah, tu peux enlever déjà, non? C'est sec? Oui. Comment veux-tu que je le retire? J'ai une petite boîte de coton-tige, non? Ah, oui. Oh, avec. Oui, prends un. Et ma colle, elle est où maintenant? Non, c'est pas vrai. Ah, elle est là. Tu vas commencer avec ça. Parce que. La bouche, alors tu fais une bouche normale. Moi, je pense que je vais faire une bouche normale. Je vais pas. Je vais pas m'embêter. Hop. Donc, d'un coup, moi, je viens ici, maintenant, à House of Love, tout seul. J'ai fait mes vidéos. Si j'ai pas d'invité. J'ai fait mon maquillage, mon live. Mmh. Après, j'ai fait mes photos. Maintenant, je ne fais plus de photos. Tu sais ce que j'ai fait? Non. J'ai fait des films. J'ai filmé avec mon iPhone. Et je me filme, tu vois, en train de faire des mouvements, mais très lents. Comme ça, tu vois. Ah oui. Et après, j'ai fait des print screen. Tu vois les photos que j'ai mis un peu style Marilyn Monroe la dernière fois? Oui. Tout des print screen. Print screen. Bah, c'est pas mal non plus. Non, ça donne une bonne image. Et en même temps, ça donne une touche de vintage parce que la qualité, elle est un peu bizarre. C'est pas 100%. Mais les photos anciennes, elles sont pas 100%. Et je suis content. Je casse pas mon temps en train de réfléchir. Mon appareil de photos, ça marchait pas de temps en temps. C'est horrible, horrible. J'ai détesté. Il avait des moments qui m'énervaient vraiment. J'étais. Oh, comment ça m'énervait. La caméra, elle bougeait pas. Elle demandait des flèches. Et ouais, après, ouais. Ça faisait pas le flash. Ah, c'était vraiment chiant.
Donc, bouche. Qu'est-ce que tu avais dit? Comme tu veux, hein? Comment oui. Bon, et comment j'ai réussi à nettoyer mon nez, moi, maintenant? C'est parti. Ah non, tu enlèves avec le Ah, coton-tige, juste avec le seulement le coton-tige. noir, et après tu remets à la base. Eh ben, je suis clairement moins fan de cet œil-là. De quoi? De mon œil gauche. Parfois on n'arrive pas à équilibrer, hein. Non, je me suis. Je me suis gouré. J'ai fait des bêtises. Je n'arrive pas vraiment à faire de très fin. Du coup, ça Parce que me. le pinceau, c'est pas, il est pas trop fin. Ah, et le RuPaul's Drag Race Holland, c'est en hollandais. Donc, je vais rien comprendre. Personne ne va pas comprendre Comprendre. grand-chose, hein. Bon, c'est normal, c'est en Hollande. Aussi. Ah ouais, clairement, mes yeux, là, c'est pas du tout les mêmes, hein. Tant pis. Tu sais qu'il a une brésilienne? Qui donc? La métisse, la plus basanée, Ah ouais? qui est tout le temps comme ça. Ah ouais? Ouais, c'est une brésilienne, il paraît qu'elle habite là-bas. En Hollande? Paraît qu'elle parle hollandais, donc c'est pour ça qu'elle est dedans. C'est chouette. Bah, il y a une fille d'Anvers aussi. C'est Sidergine. d'Ergin. C'est bien. Une Belge dans la compétition. Bon, un petit peu de fond de teint sur ce nez. Ouais, voilà. C'était lequel? Celui-là, hein? Celui-là même, le blanc. Enfin, le blanc. Entre guillemets. Je pourrais même le réutiliser pour le dessous ici.
Oui, parce que maintenant c'est le moment que tu peux changer tout ce que tu veux. Pas tout ce que tu veux, mais... Hop, il me faut un petit pinceau. Rectifier mon tir. Mon Dieu, comment j'ai changé mon maquillage? J'ai bien changé mon maquillage. Oh non, darling. Tallulah Bunker. Oh, darling. Darling. C'est pour ça que j'aime bien certaines stars de Hollywood. Bon, elle n'était pas star de Hollywood, elle était star de Broadway. Il paraît qu'elle a fait très peu de films à Hollywood. Qui donc? Tallulah Bankhead. Et elle habitait à New York, c'était Broadway, hein? Donc elle était actrice de théâtre. Mais en savoir, elle a parlé comme ça. C'est tout un autre univers. Donc il paraît qu'il a une émission. Oh, c'était même pas années 60, je crois. En pleine ségrégation, tu vois, racisme et tout. Hein. Il paraît qu'il avait cette émission et une fille black a participé. C'était un concours pour 64 000 dollars. À l'époque, c'était une fortune. Et c'était la dernière émission. C'était là qu'il a décidé qui a gagné. Et la fille a gagné, la Ah ouais? petite black. De 12 ans. Ah mais oui, ils ont fait un film C'est comédie vrai? musicale sur ça. Comment ça? Ah, je sais plus, mais Timothée, il travaille avec ce film. C'est Ah, il vrai? faudrait que je te renvoie ça. Mais je suis sûr et certain que c'est ça. Et du coup, oui, ça me dit fortement quelque chose, ce truc. Bon, il faut que je mette des fossiles aussi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je dois donner un de mes fossiles? Bah, je voudrais faire ma bouche. Que j'ai payé une fortune, je t'ai donné gratuit. Ok, ça va. Donc, ils ont fait, à la fin de l'émission, c'était Tallulah Bankhead qui présentait avec, je sais pas, avec une autre star de Broadway. Et quand la fille a gagné, elles étaient à côté d'elle. Et quand la fille a gagné, Tallulah a pris la fille, a baisé la fille, a pris la fille. Et pour l'époque, c'était, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien ces gens-là. Ah, ça, c'est des vrais stars. En fait, j'arrive jamais de faire ma bouche avec un crayon. Je fais directement avec Puff le Gloss, enfin le lip. Tout là. Ah bah oui. Où sont les couleurs? T'entends? Mais oui. Ben, ils sont tous là! Ben oui, mais il faut tous les ouvrir. Ben oui! Tu veux que je ouvre pour toi aussi? Alors, franchement, j'en ai ras-le-bol, hein. Attends, fossile. Je sais pas trop quelle couleur je peux utiliser. Très foncé, Bah oui, moi ma bouche est toujours très foncée. non? J'ai plein là-bas, regarde pas. Après. Mais pas de noir quand même. Je crois qu'il a du noir, hein? Non, mais je veux pas de noir. Non, mais il a des mauves. Il a un mauve très beau, non? Tu n'as pas vu? Pas encore. Je crois. Il a un mauve. C'est vrai que tu mets beaucoup de nude. Non. Comment? J'ai des rouges. Non, normalement, c'est beaucoup de rouges. Parfois, je mets pas mal.
Même pas. En soi, je pourrais mettre ce rouge là. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est différent. C'est complètement différent. C'est vachement différent. Mais en même temps, j'aime bien. C'est vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. Enfin, c'est comme ça la vie. Hein? La vie, c'est pas comme on veut. Hein? On maîtrise rien dans cette vie. Hein? C'est comme ça hein? La vie. La vie, elle est comme ça. Hein? La vie. Hein? Hein? Hmm? Et on essaye. Hein? Yes. Par contre, j'avais un doré et je ne, j'ai plus mon doré. Il est où? Les gens croient que je suis pas bien normal dans la tête, mais c'est comme ça un peu, moi, que ça marche comme ça. Hein? Je sais que tu vas dire que je suis un peu folle. Hein? Je sais que tout le monde dit ça de moi, mais les gens ne me comprennent pas. Hein? Ça, la vérité, c'est ça. Tu vois mon accent? C'est un peu comme ça. Hein? Comment dire? Ça fait un peu. Québécois. Québécoise, sugar les Québécoises maintenant. Ben, c'est un peu bizarre comme ça quand les gens parlent comme ça. Oh, I'm gonna use some golden. Golden. Highlight. Yeah, hein? Ici. Oui. T'as mis du doré aussi? Non? Non, j'ai mis du jaune. C'est du jaune? Oui, c'est lui. Non. Can we mind? Can we mind? No, you can read my pock face. Ouh. Mmh. Toujours des grosses bouches. Bah, la mienne est la plus grosse. À qui le dis-tu? Ma bouche est la plus grosse que la tienne. Je te jure, je te jure. Ah, je te jure.
Donc, tu dis que j'utilise souvent du nude. Non, c'est pas vrai, c'est même pas vrai. C'est parce que j'ai fait le dégradé, après je laisse comme ça. Tu sais? This is the moment. Oh. Et maintenant, on attaque mon nez. J'ai fait mon nez pointu. Aïe! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Tu casses tout, mon frère. Arrête. Mais je regarde mon nez dans mes vidéos. Parfois, ou même mes photos. Les gens. Beaucoup de gens croient que j'ai fait beaucoup de Photoshop, hein? Ah oui? Du tout, du tout. Les photos de Marilyn Monroe que j'ai mis, comme je t'ai dit, c'était des print screen. Il n'a aucun Photoshop. Mon nez, il est comme ça. C'est pour ça que je tape 2h30, 3 heures de maquillage. Parce que j'ai pas envie de chipoter avec Photoshop. Déjà, mon Photoshop est dans mon petit ordinateur. Déjà. Et je dois venir dans le petit. Ah non, non, non. Mettre sur mon disque qui est lié à mon grand ordinateur. Voilà, c'est comme ça que j'écris mon nez, vite fait. J'ai pas réussi à faire correctement mes angles de bouche. Il y a quelque chose qui me gêne. C'est les pinceaux, parce que tu n'as pas tes pinceaux. Je crois que c'est ça. Ça te bloque un peu. Ouais. Oui, mais je sais. Ouf. C'était quand il y a 2 semaines, les 2 dernières fois que j'étais chez maman, j'avais oublié mes affaires. Et je déteste demander les affaires des autres. Donc d'un coup, j'ai créé tout mon maquillage avec rien. J'avais pas de couleur. C'était du noir. Et après, j'ai utilisé du blush pour faire les couleurs. C'est toi? Ouais. Les affaires. Ah, I see.
J'ai l'impression d'avoir fait un peu une bouche de clown. Parce qu'elle est... Je crois qu'il faut monter plus haut, non? Tu Elle est trop fin en haut. C'est seulement cette côté-là, elle est trop fin. Mais tu fais direct avec ton le rouge à lèvres. Oh, direct. Ah, c'est mieux là comme ça. Voilà. T'as monté? Ouais. Je vais laisser reposer pour pouvoir mettre l'autre couleur. Il faut que je fasse mon nez. Du coup, il me faut le contouring. Ou du marron, quelque chose pour pouvoir venir affiner. Celui-là? Non. Non. Comment? La petite palette que tu m'as présentée tout à l'heure. Laquelle? Tu as fait ton nez avec quoi? Ah non, ça. Non, mais c'est quelle palette tu parles? Ah bah je sais pas, moi je vais, il faut que je fasse mon nez. Non, parce que... Ah bah je fais avec ça. Le nez, je fais avec tous ces brins là. Ok. Le plus petit, le plus... Le moins. Et avec quel pinceau? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je crois que j'ai fait ça. J'ai fait avec celui-là. Ok. Oui. Non, 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 non. Et tu es venu estomper avec lui? Ouais. Darling, don't forsake me. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je rigole ma tête.
Bon, ce petit nez est pas si mal que ça. Ouais, mais tu sais, moi je prends le blanc maintenant. Mmh. Je fais là. Oui, c'est ce que je fais aussi souvent. Si tu regardes 90 degrés et tu... Et ce que je vais venir faire, je vais venir avec le blanc. Mon Dieu, ok. C'est très différent ce maquillage là. Et moi donc? Quoi? Je crois qu'il manque de blanc ici, à l'intérieur. Tu vois, on the waterline. Ouais, mais c'est toi qui l'as le blanc dans ta main. Non, moi je mets de la crème d'abord. Tu mets d'abord de la crème? Carrément. Tu nettoies bien le pinceau. Il est déjà blanc, tu là. Passes le blanc. D'ailleurs, je vais le mettre aussi. Ça change tout le maquillage quand tu fais ça. Les yeux, je veux dire. Ouais, je trouve que c'est plus fin, plus... Peut-être un nude, non? La bouche, non, 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 ça c'est de glace, non, 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 de glace, non. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Si, moi je trouve que ça fait un truc léger. Oh mon Dieu, j'ai une tête d'une actrice de Hollywood des années 40, les yeux. C'est la façon que j'ai dessiné la bouche, très 40, un peu 40. Et tu l'as mis avec quel pinceau ton blanc? Ah, j'ai pas mis encore. Ah. Bonne question. Toi, c'est pas si mal que ça? Si, moi j'aime bien. Si? Ouais. Tu aimes bien? Mm. Moi, ça, je suis très perturbé. Attends, regarde, 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 regarde direct. Ouais. Je suis
très perturbé quand même. Je crois qu'il manque un peu plus clair là. Ferme, ferme un peu. Non, ferme et regarde. Ferme, oui. Là. Pan cut, ouais. Christmas. Je peux mettre du blanc. Oui. Si, un blanc. Bah, il a plein de pinceaux, hein, non? Je crois. Pour former une espèce de cut crease, mais pas un cut, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je crois, je crois. Je crois que tu vas voir la différence. Ça va donner quelque chose. Fais confiance à Sugar Love. Oh, Dio Santo. Non, attends, 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 non, non, attends. Attends. Si je vois mieux. Ferme. Oui, plus ou moins ça. Ouais, c'est vrai. Ah oui, ça change. Oh, ça change beaucoup. Ça change en bien? Si. Regarde, je crois que ça fait un peu... Ça fait plus léger. Clairement, oui. Je vais juste, tu vois, en mettre... Parce que tu n'as pas de fossiles, hein? Attends, il manque le fossile. C'est ça qui... Regarde là. Ouais, clairement. Tout à fait. Moi, j'allais encore... même encore plus clair. Oui, parce que ça donne un contraste. Je sais pas, ça... Cette bouche manque de quelque chose. Genre, elle est trop rouge, normal. Elle est brillante, ben alors il faut rajouter le centre plus clair. Moi j'aime pas, elle est brillante et je préfère largement quand elle est mate. Tape du, tape du, de la poudre. La poudre... poudre blanche. Oui. Même avec un pinceau. Oh, comme tu veux, tu tapes, avec ça va devenir mat. Et après, tu vas venir avec des ombres. Alors, on va chipoter ta bouche. Genre, je pouf. Oui, tout doucement. Oui, tu couvres. Tu vas voir. Ça va devenir mat. Et après, avec de la poudre de fond de teint. Comment ça s'appelle ça? Eyeshadow. Tu vois, ça devient clair, hein? Et mat. Et maintenant, tu prends un pinceau avec des couleurs. Le brun, par exemple. Regarde-lui. Et tu commences ici, plus foncé de l'intérieur pour à l'extérieur. Attends, je vais prendre ça. Parce qu'il manque une finition. Je... Plus ou moins, mais vraiment précis, tu fais... De là, vraiment de... Et puis je remonte à là. Tu fais une espèce de dégradé.
Ah, là, on a une bouche plus intéressante. Ah, now you've got volume, babe. Mille fois mieux, non? Clairement. Clairement, là, c'est bien, là. Ouf, c'est une autre bouche. Complètement différente. Il a de volume. Et maintenant, si tu veux encore plus de drama, un peu plus clair au centre, et tu as une bouche en 3D. Quoi? Oh, oui, de la poudre, carrément. Ouais, mat. Moi, je préfère ça. J'ai pas fait ça. Je devais faire. J'ai pas fait, je dois faire. Allez, hop, nanana, la Boum. Et tu te souviens encore la toute première fois que j'étais en drague, que je n'arrivais pas du tout à faire ma bouche et que c'était toi qui me l'avais faite pour les débutants, débutantes. C'était la vidéo. C'est vrai? Oui, je n'arrivais, j'étais tellement stressé que je n'arrivais pas à C'est faire ma vrai, bouche. c'est vrai. Travailler sur le stress est horrible. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai eu un spectacle. Tu attends la lighter? Highlighter, Il oui. est où? C'est là. La première fois que j'ai travaillé professionnellement, regarde. Ils allaient jeter ça. Enfin. Ils allaient jeter. C'était. Fernando m'a dit, écoute, il y a des produits qui vont dans la poubelle quand ils ont déménagé. Oui. Ils allaient jeter plein de choses. Et Fernando dit, moi j'ai assez de choses. Il dit, c'est poubelle. Et je dis, bah, écoute, prends quelque chose pour moi alors si c'est poubelle. Ça, Ah oui. highlighter. Oui, parce que qu'est-ce qu'ils allaient faire? Bah rien. Bon, bah du coup, je vais tout l'utiliser. Ah, bah, et moi aussi, tout le temps maintenant. Et ton pinceau? The highlighter, je crois que c'est celui-là, je crois. Oh, prends celui-là. Oh mon bon Dieu, que nous sommes belles. Magnifique. Oh, magnifique. Ouh. Divas, darling, divas. Divas, darling, divas, divas, we're divas. Oh, téléphone is ringing. Oui, c'est bien. Ta maman? Je croyais que c'était un amant. Non, qui me demande comment se passe ma journée. Et tu dis, moi je suis Century Fox. Je suis à Century Fox avec Sugar Love. Mais c'est qui Sugar Love? Enfin, maman. Dans quelle planète tu habites, maman? Tu regardes pas la télé? Elle te connaît en plus, elle t'a déjà vu. Si, c'était au. Au 25? Non. Non, Au. après, au bar. Ah. Elle était venue. Je pense que je suis pas si mal que ça. J'aime bien. Il reste juste à mettre les fossiles. Oui, eyeliner. Oh, eyeliner, non. Mascara. Je trouve qu'il manque un tout. C'est du rose que tu as travaillé, hein? Je ne sais pas, hein? Quelque chose un peu foncé.
qui monte. Mmh. Un tout petit peu. Allez, vas-y. Mais pas brillant. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, tu sais quoi? Ah non, donne-moi des cellules. Tu as utilisé quoi? Elle. Celle du milieu. Oui, tu vas vraiment... Oui, une petite touche là qui monte. Mmh. Regarde. Je crois que c'est vraiment... Il manque un lifting. Moi, j'aime bien les regards qui font... qui montent. Tous mes traits, ça monte. Ça monte. Vraiment, va... Vraiment, touche là. Oui, ça. Moi, tu as fait pour moi une erreur. Tu as mis du doré, non? Tu as mis quelque chose de brillant, non? Mais c'est de lui, hein? Et il brille alors, non? Oui, je crois. Je crois qu'il brille. Ouais. Parce que ça, quand on met sur le poil, ça montre les défauts. Mm. Qu'est-ce que tu penses? Ah, moi, je préfère. Moi aussi. D'un coup, tu as eu un, oui, vraiment un lifting. Ferme un peu là. Ah oui. Ouais. Ouais, je... Ah oui, si, si, même de loin. Mmh. Ah oui, ça donnait vraiment la petite touche. Mais tu sais ce qui me manque aussi? Mmh. Les touches, mes touches, mes petits points noirs. Moi, je crois que tu dois mettre. Oh. Ouais. Ah, mais écoute, mais il manque le fossile. Hein? Oui. Je vais donner mes fossiles et tu vas garder ça. Hein? Parce que maman, elle garde ça, ça fait déjà. Elle a dit que c'est que je donnais au mois de décembre. Et elle, il est nickel. Je dis, maman, mais c'est pas possible. Elle a dit oui, parce que je lui ai donné une petite boîte hein, comme cadeau. Parce qu'elle a, elle adorait. Et elle a dit, mais non, mais mes fossiles, ça dure longtemps. Je préfère mettre mes petits points. Oui, si, si, mais ah, il faut mettre. C'est à l'habitude déjà. Mes petits points, toujours. Toujours. Mes petites touches. Je l'ai bien monté pour, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il est heureux. Non? Non, ça veut dire qu'il était là, malgré tout, non? Oh. Attends, ça veut dire machin, heureux d'être là avec nous. Libre. Libre? Je crois. Ah. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là avec nous. Je n'ai pas mis de mascara. Ah, oh, mon bon Dieu. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que je fais, moi, j'ai des tout petits fossiles, genre de trois petits poils, et en fait, eux, je les mets en dessous. Oui.
Ça change beaucoup aussi, hein? Ouais. Ça veut dire qu'elle est... Et tu as un crayon noir, genre basique crayon... ici, je crois qu'il a un petit crayon noir là, non? Black bottom. Oh mon Dieu. Yes. You are not normal. Tu mets mes sourcils, mes fossiles? Non. I'm so tired. Enfin. J'ai mis de la colle. Mais attends un peu que ça sèche. Hein? Oh yeah, we are done for today. Yes, we're done. Done for today. Well, moi je dois te dire, vachement différent ce maquillage. Moi j'aime bien parce que j'ai osé crier quelque chose. Oh. You like it very much, so kind of very, very different makeup. Voilà. Ça change, hein? Ouais, hein, c'est fou, hein, comme des fossiles, ça fait tout, hein. Tu vas garder ça, hein? Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Parce qu'en fait, j'attends. I'm gonna teach you how to walk in the dressing room when you are done with your makeup. I know. Where are the fetishists of the feet? Voilà. Les fétichistes des pieds sont... Oh, c'est beau! T'as mis les deux? J'ai mis les deux. Woo! We are done! Mais c'est fou parce que on est parti chacun dans un côté. Totalement différent en fait. Hein. Ouais. Mais, parce qu'en fait, quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu allais faire, je dis oh là là, tu disais, je vais faire ça, je vais faire ça. Et j'ai dit à un moment, je crois pas que je vais arriver à suivre. Donc, je vais faire mon truc. Mais ça rend bien quand même pour chacun. Ouais. Il y a des choses qui sont plutôt intéressantes quand même à avoir réalisé. Mm. C'est peut-être pas le plus fin, c'est peut-être pas le mieux, mais en soi, on a essayé. Ben, tu vas mettre un autre contouring, non, sur la tête, non, sur ici, non? Et bon, un peu. Deux. Un peu de couleur, moi aussi, je crois qu'il manque un peu.
Mais ça change vraiment tout. Ma cage est vraiment différente. Black Button. Tu peux mettre le fixateur si tu veux. Eh oui. Pour fixer ton make-up. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à s'habiller pour voir ce que ça donne. Enfin. Lui, c'est l'esprit. C'est l'ami qui m'a donné. Il marche super bien. J'ai toutes sortes de fixateurs. J'aime bien la façon que tu fais l'intérieur, je n'arrive pas à faire ça, tirer comme ça, comme toi. Ces petites pointes, hein. Ouais. Ça m'a mis longtemps à réussir à essayer de les faire. En fait, je crois que tu dois regarder vraiment droit, ouais, non? Ouais, c'est vraiment droit et en fait, je prends juste le pinceau. En fait, quand j'ai le pinceau, déjà, je retire tout l'excès de liner et je pars de l'intérieur et je tire tout de suite mon trait, en fait, et... Bah, si j'y arrive pas du premier coup, en fait, il est mort. Parce qu'après, du coup, j'agrandis, 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 et du coup, ensuite, ça devient un trop gros truc. Mais là, ouais, là, ça va. Moi, j'adore. Non, mais chaque fois que je t'ai vu, pour moi, elle était nickel. Moi, je n'arrive pas à faire. Oui, peut-être je dois me mettre plus... C'est où le petit blanc qu'on utilisait pour la poudre blanche? Non, c'est lui. Je trouve encore qu'il manque un tout petit peu de blanc pour ouvrir les yeux à l'intérieur. Viens. Je vais faire un truc graphique. C'est incroyable comment la façon qu'on tire la lumière, ça change tout. Tout, hein. C'est du blanc blanc. Qu'est-ce qui se passe? Ferme. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'était bloqué. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal du tout là comme ça. Mais il a une côté que c'est rush, cette côté-là. Ouais. Il faut l'estomper un peu. Parce que je vois pas bien. Ça fait les yeux. Ça fait comme une cut crease, non? Ouais. Ta 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 ta
Là, on est bien là. Je crois qu'on a réussi à... faire quelque chose de plutôt plutôt rigolo. C'est vraiment. Qu'est-ce que c'est ton ami de fixateur? Oui. Je sais pas si j'aime mes lentilles maintenant. Après. Après, quand ils sont prêtes. Hein? Ouais. Oui. Donc. We say goodbye now. We're gonna say goodbye because we're gonna change. We're gonna become women. Ooh. On met des perruques et des robes. Oui. Si on trouve des robes pour tout le monde. Oui. On va voir. Et voilà. Ça, c'est le résultat. On a fait des trucs complètement différents. Ouais, on est un peu parti en zigzag. Mais c'était fun quand même. Ouais. En fait, on a voulu suivre un truc et puis bah, on a fait totalement différent. Ouais. On a fait au fur et à mesure de ce qu'on voulait essayer et tout. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est pas bien, moi, c'est pas bien. Bien, mais, bien. Et toi, et après, tu vois, on a travaillé ensemble, on disait oh, ça. Et je crois que ça, oui, ça change. Ça change complètement de forme habituelle, de, oui, si, tout à fait. De choses qu'on aurait pu imaginer. Donc, ah. Ben, parce que Mike, il a commencé, et j'ai dit, ben, au début, j'ai dit, ben, je vais le suivre. Donc, il a commencé et tout, mais d'un coup, j'ai dit, je ne peux pas le regarder tout le temps. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, maintenant, je pars dans mon délire et j'ai parti à faire une autre chose. Mais les deux résultats sont intéressants. C'est bien, hein? C'est bien. Ouais, c'est rigolo, tous les deux. Oui, c'est très chouette. D'un coup, j'ai fait un truc que je n'ai jamais fait. Et c'était ça le but. On essayait de faire quelque chose de nouveau. Et on ne voulait pas copier. Non. Non. Tout le résultat, on s'est juste inspiré de la base et, ouais. Et on a fait totalement autre chose. Si, tout à fait. Parce qu'il y a même plus. Il y a juste une inspiration qui nous a permis de trouver une idée. Mais en soi, il n'y a aucun copier-coller en fait. Non. Parce que ça ne ressemble pas du tout. C'est pas ben voilà, donc maintenant on va se changer et dans quelques minutes on revient pour un chat, ok? Sans ainsi on doit changer la voix, Jojo. Oh. Parce que nous sommes comme drag queen, on change la voix. Ooh. Alors il faut faire comme les Américains qui parlent très différemment. Donc dans quelques instants nous sommes de retour, ok? Bye, au revoir.